Vous savez, la valeur du cadeau en Afrique montre une fois de plus la dimension de la civilisation africaine. Parce que l'Afrique a été toujours montrée comme, surtout les Africains ont été toujours montrés comme des peuples qui ne sont pas civilisés. D'accord, monsieur Pourtant, Cézine, non, pardon, on reviendra à vous, on a un appel ok, il n'y a déjà pas de souci. de monsieur Touré Yaya qui nous appelle de Koumassi. Allô? Ah. Monsieur Touré, vous êtes là? Oui. Bonjour, monsieur Touré. Oui, bonjour, madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Oui. Bon, en fait, je suis en train de suivre votre émission là, concernant la valeur du don. Oui. Bon, je ne sais pas. D'abord, avant de commencer, j'aimerais d'abord vous dire que je suis très content d'être à l'émission. C'est ma deuxième fois qu'on me reçoit. Merci. Voilà. Bon, en fait, la valeur du don, je pense que le don d'abord doit revêtir d'abord un symbole. Voilà. C'est-à-dire que le don ne doit pas être comment dire, on doit voir le symbole D'accord. quand on parle de don. Nous constatons malheureusement que les personnes font le don peut-être en faveur d'une femme ou peut-être d'une tierce personne pour pouvoir comment dire, avoir des contreparties. Voilà. On voit que c'est des dons qui sont forts, qui sont faits avec au moins avec une idée derrière la tête. Voilà, donc c'est ce qui est déplorable aujourd'hui. D'accord. Donc, moi, ce que j'aimerais dire, il faudrait que, c'est un conseil que je donne, il faudrait que quand ils font des dons, ils essaient de mettre le symbole là-dedans. Comme on le faisait, on le fait généralement quand une personne vient par exemple pour rendre visite, on peut attraper par exemple un poulet à son retour, on pourrait lui donner un poulet en Afrique, ou par exemple on pourrait lui donner de la cola. Voilà, bon, en ce temps, la cola peut-être a une valeur matérielle forte, mais quand on donne deux colas à une personne, ce n'est pas la cola en tant que telle, mais c'est le lien qu'on veut montrer, c'est-à-dire que notre joie d'accueillir cette personne-là. Et je pense que chacun devrait mettre son la valeur, le symbole, c'est très important. Et Très bien. j'insiste là-dessus. Merci Voilà. beaucoup, monsieur, Et, monsieur Touré. Merci de nous avoir merci appelés. à vous. On retiendra donc que vous souhaitez que les dons soient désintéressés. Alors, Oui. monsieur Seydine, on revient à vous. Oh oui. Donc, comme je le disais, la valeur du cadeau en Afrique montre la dimension de la civilisation africaine. Moi, je vais m'attirer sur deux choses d'abord avant de continuer. C'est-à-dire qu'il y a une valeur qu'il faut reconnaître au cadeau. C'est d'abord la valeur spirituelle et la valeur de bénédiction. Parce que généralement, en Afrique ici, en recherchant souvent la bénédiction de ses parents, ou bien d'un vieillard, souvent on lui fait des cadeaux. Ces cadeaux, ça peut être à partir de ma force. Ce n'est pas forcément un objet que je lui donne. Mais je peux aller aider ma mère au champ, je peux aller aider un vieillard au champ, je lui fais un don, je lui fais un cadeau de ma force, de mon intelligence, dans le but de recevoir des bénédictions de cette dernière-là, dans le but d'avoir l'amour de Dieu. Ça, c'est l'une des valeurs des cadeaux et des dons en Afrique ici. Il y a une autre valeur aussi que je voulais aborder. C'est, comme Diop le disait tout à l'heure, c'est la récompense souvent après une certaine période d'études. D'études, hein, parce que on peut être, comment on appelle ça, un adepte ou un élève d'un forgeron ou bien d'un cultivateur ou bien d'un chasseur, un truc comme ça, mais à la fin de tes études, il te donne un pouvoir. Il te donne un pouvoir qui te permet de maîtriser le feu, ou bien qui te permet de maîtriser bien la forêt ou autre. C'est des cadeaux, c'est un cadeau qu'il te donne et c'est à la suite hein, d'une période scolaire. Donc le don et le cadeau aussi représentent une valeur scolaire en Afrique qu'il faut mentionner aussi. relever. Voilà. Donc ces deux valeurs sont très importantes. Hein. La valeur spirituelle de recherche de bénédiction, quand on le fait avec nos parents, avec nos maîtres, nos sachants. Et puis aussi la valeur universitaire, la valeur scolaire qu'on reçoit après une Une formation. période de Ça, c'est formation. très important. Très Voilà. bien. On va rejoindre à présent Patrick Ndiakon qui a des réactions sur Facebook parce que vous le savez, vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux. Notre page Facebook, on garde le contact est ouverte. Hein. Vous pouvez tout simplement vous aimer la page d'abord Oui. et ensuite laisser votre commentaire. Patrick, nous sommes à vous. D'accord. Et voilà, il faut préciser que notre communauté ne cesse de s'agrandir. Nous sommes maintenant à 3511 membres et vous devez continuer à aimer notre page pour commenter et surtout donner vos impressions. Voici déjà la réaction de monsieur Eric Laurent Benyounou qui nous dit le cadeau pour l'Africain marque en quelque sorte un signe de respect et de rapprochement pour le donateur. Ça lui permet
d'être en paix avec lui-même et ceux à qui il fait le don. Bien que volontaire, le cadeau est perçu comme chez certaines personnes une obligation. Encore, le cadeau est perçu comme des valeurs culturelles chez les Akans. Par exemple, je citerai chez les Aïs avec l'offrande de la liqueur aux parents. Chez les Baoulés, on parlera de Pankita, etc. La réaction de M. Zegbe Roméo Nial qui nous dit le cadeau a été de tout temps le symbole du partage en Afrique. Donc, c'est en ces périodes-là que de fête donner pour l'Africain est une coutume, car depuis la nuit des temps, nous avons toujours fait des cadeaux. Et pour l'instant, la dernière réaction de M. Morricone qui nous dit, comme le dit l'adage africain, surprise est mieux que promesse, mais fort malheureux est de constater que depuis un certain temps, le don, cadeau en parenthèse, est exigé. Maintenant, la question est de savoir que représente-t-il pour l'Africain. Et il pose cette question à nos invités. Très bien, ils y répondront dans quelques instants, juste après ce coup de fil. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. C'est monsieur Claude. D'accord, vous nous appelez de Bondoukou. Oui. On vous écoute. J'appelle de Bondoukou. Effectivement, nous sommes à l'émission pour parler des dons en Afrique. Ce que nous constatons maintenant, c'est qu'en Afrique, don est devenu quelque chose d'obligatoire. C'est-à-dire, quand tu vas voir quelqu'un, tu es obligé d'aller avec un don. Aller avec un cadeau pour que la personne puisse accepter. Le don n'a plus de valeur maintenant, ça a une valeur de demande à quelque chose. Parce que quand tu attends, c'est que tu reçois quelque chose en retour. Voilà. C'est comme ça est devenu le don maintenant en Afrique. Donc, c'est ce que je pouvais donner. Et vous dénoncez cela? Oui, je dénonce ce fait-là. Parce que quand vous allez voir, par exemple, une personne qui est un peu plus nantie que vous, quand vous allez avec un don, vous allez pour que la personne puisse en retour vous donner quelque chose de plus important. Voilà. C'est comme quand, par exemple, le chef de l'État va dans une région, les gens lui font cadeau, mais en retour, ils demandent des choses. Voilà. Ça, c'est pour toi un cas un peu général. Mais maintenant, on voit que c'est comme ça que voit le don. Il te donne pour que tu lui donnes en retour un peu plus. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci d'être passé sur ce plateau, en tout cas au téléphone. Merci. Alors, il y avait une question qui vous était adressée sur notre page Facebook. Vous l'avez retenue ou Patrick la répète? Bon, Patrick disait, qu'est-ce que voilà. D'accord, je repose la question. Oui. Il nous dit, maintenant, la question est de savoir que représente-t-il pour l'Africain. Aujourd'hui, le don, comme vient de dire notre téléspectateur tout à l'heure, c'est devenu quasiment une obligation. Et pourquoi cela est devenu comme ça? Et pourquoi l'Africain le perçoit de la sorte? Très bien. Ce que je veux dire, pour l'Africain, parce qu'il faut qu'on puisse faire la part des choses, pour l'Africain, le don n'est pas une obligation, mais c'est plutôt peut-être une obligation morale. Ce n'est pas une obligation d'intérêt. C'est-à-dire quand Monsieur Seydine, non, pardon, vous allez retenir la question, hein, parce qu'on a une téléspectatrice en ligne. Madame Diallo, elle est partie. Voilà. Alors. Donc, en Afrique, généralement, quand on fait un don, on ne fait pas dans le but de recevoir quelque chose en retour, parce que je pense que c'est l'occidentalisation qui a envoyé tous ces genres de problèmes quand le matérialisme a fait sa présence en Afrique. Mais en réalité, le don en Afrique, le cadeau en Afrique, ce n'est pas seulement quelque chose que tu donnes à autrui. Il y a une valeur humaine. Je prends un exemple très simple. Quand vous allez saluer quelqu'un qui vient d'accoucher, quand vous allez saluer quelqu'un qui vient de perdre son parent, mais vous êtes là physiquement, c'est votre physique là qui est un cadeau même pour la personne. C'est-à-dire votre réconfort, ouais, que vous lui apportez, votre chaleur. Voilà, c'est cette chaleur humaine là. Donc, l'une des valeurs du don en Afrique, parce qu'on va aller du don matériel, du don humain, c'est-à-dire que du don humain, c'est-à-dire que je parle de la présence humaine lors de circonstances particulières, que ce soit de joie ou de malheur. Monsieur Francis nous appelle de Yamoussoukro. Allô? Voilà, allô? Oui, monsieur Francis? Oui, merci bien, madame, de me passer l'antenne. Ce que je voudrais suggérer, les messieurs qui sont sur le plateau ont été bien préparés, mais j'ai l'impression que nous qui intervenons, nous leur empêchons vraiment de développer leurs idées par moment. Chaque jour que je vous suis, les interventions sont un peu trop, si bien que les messieurs préparés n'arrivent vraiment pas à développer à fond leurs idées. Et deuxièmement, le don, j'ai l'impression que c'est entre amis. Tout récemment, il y a eu des dons qui ont été faits aux enfants ici à Yamoussoukro, mais on m'a dit que c'est sur invitation.
le gouverneur, vous m'excusez, bon, c'est entre eux des grandes personnalités peut-être, ou bien des gens bien connus, si bien que les enfants les plus démunis n'ont pratiquement pas de dons. Aujourd'hui, il y a des dons qui se font au sein de la présidence, mais encore, c'est entre des gens bien connus, et ce n'est pas à tout le monde. Voyez-vous. Donc, le don ou les cadeaux, comme vous venez de le dire, j'ai l'impression que ce n'est vraiment pas pour... c'est avec un intérêt peut-être. D'accord. Ce n'est pas pour tout le monde, quoi. Très et bien. Souvent, ça laisse à désirer. Merci voilà. beaucoup, Monsieur Merci. Francis, pour votre intervention. Et puis, il se plaignait à l'instant de la fréquence des appels. C'est un peu ça le but de l'émission. C'est on garde le contact, garder le contact avec nos téléspectateurs, sur tous les réseaux, donc par le téléphone, par Internet. Et puis, bien évidemment, cela n'empêche pas... Oui, c'est un bonheur pour nous d'avoir... nos consultants de s'exprimer. C'est ça. Alors, voilà. on était à vous, monsieur. Donc, je vous l'ai dit quoi ? Je vous l'ai dit qu'il faut le don... Il y a une valeur sociale et une valeur culturelle. Et cette valeur sociale, cette valeur culturelle, c'est ce qui démarque un peu... le symbole ou bien le sens du don en Afrique par rapport à ailleurs. Voilà, ailleurs, quand on dit du don, on dit un don ou bien un cadeau, c'est peut-être un matériel que moi j'ai que je donne à l'autre. En Afrique, ça va au-delà de ça. Hein. Il y a la présence humaine, la chaleur humaine aussi qui est un don, qui est un cadeau. Est-ce que vous comprenez? Donc, en dehors de cette valeur sociale et culturelle, il y a la valeur humaine. La valeur humaine, c'est-à-dire qu'on peut tout de suite. Diop est d'un village et moi d'un autre village. Je peux aller prendre une femme hein, dans le village de Diop, hein, dans le but. C'est-à-dire Diop peut me donner la femme en guise de cadeau. Je n'ai pas dit la femme n'est pas un matériel. Hein. Voilà, donc il faut que je précise ça pour ne pas que les femmes tombent là-dessus. Je suis un peu perdu voilà. de votre exemple. Non, je prends cet exemple parce que ça permet de renforcer et de prévenir même le conflit. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est l'une des valeurs du cadeau. En Afrique, c'est-à-dire la prévention des conflits et même le règlement des conflits. Mmh. Parce qu'on a vu des peuples qui se sont battus et après, pour ne plus jamais se battre, ils se sont donné des cadeaux. Mais entre ces cadeaux, parmi ces cadeaux, il y avait quand même des mariages hein, mutuels entre ces deux peuples-là. Mmh. Mmh. Je voulais juste dire que j'entends beaucoup des gens dire que on fait des dons, c'est sans intérêt. C'est pas la vérité, ça voilà, dépend de l'intérêt. Les dons tu vois, peut-être que c'est pas l'intérêt matériel, mais... Mmh. Bien sûr. Voilà. Oui, la cohésion sociale, même, c'est un intérêt. voilà. Très bien, on a M. Beignet en ligne. M. Beignet nous appelle de la Riviera Palmurée. Allô? Oui, allô. Bonjour, M. Beignet. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Oui, comme je le vois, hein, je le crois, d'abord, quand nous partons sur la base du sacrifice que Dieu lui-même il a fait dans la vie, parce que je suis croyant, la parole de Dieu dit que dans Jean 3, 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, le don, c'est d'abord quelque chose qu'on donne sans attendre quelque chose en retour. C'est différent du cadeau. D'accord. Voilà, le cadeau, c'est quelque chose qui est mérité. Par contre, le don, c'est quelque chose qu'on donne parce qu'on a envie, ou bien on est touché, ou bien on veut assurément tisser une alliance quelque part. Donc, je suis le mission, mais bon, je vois que les gens n'arrivent pas à faire de différence entre cadeau et don. Très bien. Donc, voilà. Merci, M. Beignet. Oui, merci. Très bonne journée. Alors, on rappelle qu'en début d'émission, Patrick a bien pris le soin de spécifier les deux définitions. Monsieur Diop. Que ce soit don ou cadeau, entre nous, il y a toujours un intérêt derrière. Mm-hmm. Même quand on est religieux, quand on donne à un pauvre, c'est parce qu'on veut avoir la bénédiction divine. Mm-hmm. C'est-à-dire, ce qu'on attend en retour, ce n'est pas forcément une récompense matérielle. Parce que c'est là que la différence se pose. Sinon, dans chaque cadeau ou chaque don, il y a quelque chose en contrepartie. Maintenant, quand on dit qu'en Afrique aussi, il n'y a pas de don obligatoire, ça dépend. Par exemple, quand on parle de dot, et dans la dot, il y a des principes qui ont été mis sur pied. Par exemple, quand j'étais en train de lire le Kouroukan Fouga, quand on parle de dot, on dit, par exemple, qu'il y a trois vaches. Qui font partie de la dot. Il y a une vache qui est donnée au père de la mariée et il y a une vache qui est donnée à la mère de la mariée. Ça, c'est des dons obligatoires parce que ça fait partie d'une loi qui a été, par consensus, mise sur pied. Donc, vous dites qu'il n'y a pas de dons obligatoires, ce n'est pas forcément vrai. Et il faudrait que
il y a des choses qui s'imposent à nous par rapport au consensus des peuples. Par exemple, quand on dit, par exemple, moi, je donne au peuple de Sédina, comme l'exemple que Sédina a pris, l'intérêt qu'on a derrière, c'est qu'il y ait la cohésion entre les deux peuples. Mais il faut la différence entre le don de notre nouveau monde et le don de l'Afrique ancienne. La différence, c'est le matériel. C'est-à-dire, souvent, en Afrique, dans notre nouveau monde, qu'on donne parce qu'on veut recevoir, par exemple, du matériel derrière. Ce n'est pas forcément par intérêt spirituel ou par désintéressement. Voilà, par Monsieur Akoué nous appelle de Bondoukou. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Akoué. Oui, j'aimerais participer à l'émission. Vous y êtes, on vous écoute. Oui, ok. Ok. Monsieur Akoué, vous pouvez baisser le son de votre téléviseur, s'il vous plaît. Oui. Tout à fait, sans problème. Ça va maintenant? Oui, vous êtes gentil. Merci, on continue. Non, ça ne va pas. On s'entend encore. Allô? Alors, on va rejoindre Patrick qui a des réactions intéressantes donc sur Facebook. Oui. Patrick? Oui, Eva, une réaction un peu surprenante de la part de M. Oumar Bilokanté qui nous dit « Le don, c'est que la majorité des Africains aiment. C'est cela aujourd'hui, c'est greffé à nos coutumes. Aujourd'hui, cette pratique a fait que nous avons perdu beaucoup de valeurs morales et sociales. Celui qui donne est celui qui est le plus considéré, même si celui-ci a obtenu ce qu'il donne par la mauvaise manière, ou encore même s'il demande quelque chose d'immoral en retour. » Alors, il montre un peu l'aspect moins beau de la chose. Et je ne sais pas si nos invités seront du même avis que lui. Non. Je pense qu'il montre un peu le comportement mauvais. Oui. D'aujourd'hui, oui. Mais pas seulement, il ne démontre pas que le don n'est pas mauvais. Oui. Si je comprends bien, c'est qu'on accorde plus de respect, de considération à celui qui donne beaucoup. Voilà, ça dit voilà, même si c'est sa fortune ou ce qu'il donne n'est pas forcément propre. C'est tout simplement, ça dit qu'aujourd'hui, la voix est plus importante que l'être aux yeux des gens. Voilà, c'est ce qu'il veut dire par là. Mm-hmm. Parce que la voix, celui qui a, qui donne, c'est lui qui est respecté. C'est comme on le voit aujourd'hui dans tout le système, dessus le système politique. Aujourd'hui, quand les Européens nous donnent des dons, mais ils nous disent ce qu'on doit faire, qu'on ne veut pas respecter ça, bon, les dons sont partis. Donc, c'est le système aussi qui existe dans nos sociétés. D'accord. Voilà, donc le grand frère te donne. Ça a encore été importé. Justement, ça a été importé. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Oui. Ça a été importé. Monsieur Diop. En fait, j'aime bien ça parce que quand on prend le droit d'aînesse dans les familles, c'est parce qu'on a... On a perdu notre éducation traditionnelle. Sinon, en réalité, quelle que soit ta richesse, si tu es petit frère dans une famille, tu restes le petit frère. Décision. Je pense que c'était avant. Hein. Aujourd'hui, oui, les choses existent. C'était des concepts pour pouvoir aider une famille à évoluer tranquillement, sans conflit dans la famille. Parce que, écoutez, tu es le petit frère parce que tu as plus d'argent, ou bien parce que tu donnes plus, tu contribues plus. Si on te donne le pouvoir, on aurait frustré les plus âgés que toi. Donc, c'était une manière de stabiliser les familles. Donc, c'était des règles qui servent dans la durée. C'est malheureux que ces choses-là disparaissent parce qu'il y a, des cérémonies, monsieur Sédino, des familles où tant que le petit frère qui est le plus nanti n'est pas arrivé, on ne commence pas la cérémonie alors que c'est le puiné, c'est le plus jeune de la famille. C'est malheureux. C'est clair. Je voulais dire, aujourd'hui, on se retrouve dans un monde où le pauvre est le plus grand menteur. Excusez-moi du terme, mais je vais m'expliquer. Je dis le pauvre est le plus grand menteur, en fait, si tu n'as pas d'argent, tout ce que tu diras comme vérité n'est pas considéré comme vérité. Mais c'est dans ce monde-là qu'on est aujourd'hui. On a l'appel de Mme Djenebou Diallo qui nous appelle de Boaké. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour Mme Djenebou Diallo, bonjour. Oui, bonjour madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Moi je suivais votre émission. Oui. À propos des dots. Bon, ici en Afrique, moi j'ai considéré que les dots, si... on donne les dots. Au retour, la personne doit donner quelque chose. Si on donne les dots, c'est qu'on a quelque chose derrière la tête qu'on sait si tu donnes, demain tu auras quelque chose. Alors vous parlez bien, pardon madame Ginny, vous parlez bien de dons, hein? Vous parlez de dons. Don. D'accord, très bien. Donc, vous je dis que ici en Afrique, oui. Moi je considérais que le don, quand on donne le don, c'est pour au retour d'avoir quelque chose. Oui. Vous me comprenez? Oui.
Bon, on ne donne pas les dons comme cela par hasard pour que je compte seulement, je prends les dons, je donne. Ou quelque chose qui est content, ou la personne avait du mérite, je donne le don. Le don et le cadeau, ce n'est pas la même chose. Mais tout quand on donne le don, c'est de voir quelque chose au reçu. Très bien. Merci beaucoup pour votre participation. Très bonne journée. Alors, monsieur Diop, vous dites ici. Moi, je reviens là-dessus. C'est vrai, les dons et les cadeaux, ça a une petite différence. Mais quand on dit on ne reçoit pas quelque chose en retour, ce n'est pas vrai. Mmh. Il faut comprendre que c'est rarement désintéressé, voire jamais. Oui, jamais désintéressé, ça n'existe pas. Il faut dire que c'est le poids de l'intérêt qui est derrière. Mmh. Est-ce que c'est un devoir moral ou bien c'est un intérêt spirituel ou l'intérêt, comment on appelle ça En fait, le fait d'avoir posé un acte que tu considérais comme ton devoir, ça, c'est à part. Et donner pour recevoir, en fait, du matériel, ça, c'est pas vraiment dans l'esprit, je pense, africain. Africain. Bien sûr, bien sûr. Bon, comme ce que la dame l'a dit tout à l'heure, et puis ce que Diop dit, c'est vrai que quand on donne des dons, souvent on prépare l'esprit de la personne par rapport à quelque chose. Je peux prendre un exemple très simple. Par exemple, si je viens chez Diop avec mon griot là, et puis bon, on fait des dons à Diop. Et Diop peut se dire, mais un jour, peut-être comme j'ai des filles, peut-être chez moi, est-ce que ce monsieur n'est pas en train de me préparer un jour que peut-être il va demander la mère de ma fille pour donner à son fils. Ce genre de truc existe, mais au fait, ça ne choque pas. Diop qui reçoit le don, il n'est pas blessé. Moi qui donne le don aussi, je ne suis pas en train de montrer à Diop que j'ai quelque chose. Non, peut-être que je suis en train de dire à Diop que... Peut-être que je parle en parabole à Diop. Mm. C'est ce genre de parabole qui existe beaucoup en Afrique. Mm. Ce genre de parabole. Souvent, il y a des paraboles qui sont faites à parler de certains dons, à parler de certains gestes. Là, c'est clair. Sur ça, il n'y a pas de souci. Mais l'intérêt en tant que tel, comme ça, comme on le prouve, que toi, depuis que tu travailles, tu ne m'as jamais donné ceci comme on entend aujourd'hui. Donc, tu as besoin de moi. Moi, je ne peux pas répondre à ta demande. Parce que hier, tu ne m'as pas donné aussi. Voilà, voilà. Ça n'existait pas trop en Afrique avant. Mm-hmm. Mais les intérêts par parabole, se parler par parabole, ça existe. Jusqu'au jour d'aujourd'hui aussi, ça existe. Très voilà. Bien. Monsieur Kwasi Abel, il nous appelle de Nation. Oui, bonsoir, madame. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, je suis votre émission. Je m'appelle Kwasi Aimé du Paradis. Je pense que les dons sont importants. Et la valeur du don, on est en train de globaliser Afrique et puis les autres, le monde entier, parce que en général, le don, c'est la même chose. Allô? Oui, on vous suit, monsieur Kwasi. Voilà, je pense que le don même, c'est l'expression même de notre cœur. Qu'est-ce qu'on ressent en faisant un don à quelqu'un? Je pense que c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on a de mieux qu'on donne, comme le dit la Bible aussi. Hein. Quand on écoute aussi ceux qui lisent le Coran, ils disent la même chose. Parce qu'il est bon de faire le don. Il ne s'agit pas dans le cadre de l'émission de dire s'il est bon ou n'est pas bon de faire le don. Mais je pense que le don, c'est l'expression de soi-même. Quand vous faites un don, quand la manière de faire, il ne doit pas avoir d'arrière-pensée. Mais en fait, il y a une arrière-pensée. Il n'y a rien de gratuit. Seul Dieu dit qu'il y a le don, le Christ est le don sans arrière-pensée. Mais nous, quand on fait un don, il y a toujours quelque chose. Soit on attend de Dieu une bénédiction, on attend de l'autre frère une reconnaissance, ou bien on attend qu'il se réjouisse de notre don. Mm-hmm. Il y a quelque chose qu'on attend, pas forcément bon, qu'il fasse en retour notre don. Donc je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout à fait. Le message est bien passé. Voilà. Merci beaucoup. Okay. Alors, plus que 10 minutes, il est déjà 14h. Alors, M. Seydine, qu'est-ce que vous pensez, et M. Chek également, vous nous dites, M. Diop, pardon, vous nous direz ce que vous en pensez, quand on dit que l'Africain a tendance à toujours avoir la main tendue? Bien, c'est une réalité. C'est une réalité aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de nos valeurs traditionnelles et coutumières que nous avons abandonnées. Par exemple, le travail. Je ne dis pas que les Africains ne travaillent pas, mais le travail n'est pas institutionnalisé comme ça, comme c'était avant. Et puis bon, la paresse, l'envie de ressembler aux autres, la perte d'identité. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait le courage de le dire, 90% de nos populations ne sont pas africains en tant que tels. Ils vivent en Afrique, c'est vrai, mais ils ne sont pas africains. Culturellement, ils ne sont pas africains. Si on vous demandait comme ça, M. Seydine, qu'est-ce que c'est que d'être africain? Être un Africain, c'est quelqu'un qui est ancré dans sa tradition, qui maîtrise sa culture, qui, je n'ai pas dit qui est féodal, je n'ai pas dit qui est fermé aux autres cultures, mais qui tamise et prend ce qui est bon, peut-être, avec les autres, et ajoute ce qu'il a de bon aussi pour pouvoir vivre.
Est-ce que vous comprenez? Un Africain, c'est quelqu'un qui maîtrise sa langue, qui maîtrise son histoire. Alors là, je pense qu'on est nombreux à vivre en Afrique sans être africain. Si on suit votre définition. Oui, mais c'est ce que je viens de dire. Il y a 90% des gens qui vivent en Afrique qui ne sont pas véritablement africains. Parce que l'éducation n'est plus africaine. L'éducation n'est plus africaine. L'école même que nous avons, cette école aussi participe même à nous... Désafricaniser. À nous désafricaniser, à nous acculturer, à nous aliéner. Donc ça fait que l'africanité des uns et des autres, vraiment, laisse à désirer. Beaucoup d'hommes ne sont pas africains parmi nous. Je n'ai pas dit que je suis africain, parce que je sais que par moments aussi, j'ai été animé par d'autres sentiments ou bien d'autres qui n'est pas propre à l'africain. Mais nous cherchons à revenir à nos cultures avant de s'ouvrir à d'autres. Est-ce que vous comprenez? Mais généralement, l'Africain a été ouvert à d'autres cultures avant de maintenant chercher à savoir qui il est en réalité. C'est ce qui fait qu'on a beaucoup de difficultés aujourd'hui. Très bien. Alors, je pense qu'on va prendre notre tout dernier téléspectateur qui va participer donc via le téléphone. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous nous appelez de Bamako? Oui, c'est Paulo Alcine de Bamako. Très bien, on vous écoute. Je salue mon ami qui est à côté de vous, Ismaël, d'abord, avant de venir. Très bien. Les Tidjiens, oui. Nous, les Africains, ce qui nous manque, c'est la confiance de soi-même. Nous, vraiment, ce qui nous manque très, très, très fort, on n'a pas confiance en nous-mêmes. Mm-hmm. C'est notre futur. On doit mettre à notre valeur. Et non seulement, ça ne fait pas de propagande, je ne sais pas. Mais il faut qu'on montre aux gens, on aime notre culture. Et par rapport à ça, les gens vont aussi aimer notre culture. Mais nous-mêmes, on est complexe. C'est ça qui nous manque. Vraiment, il faut qu'on soit nous-mêmes d'abord réels. Bon, vraiment, je ne vais pas trop m'exprimer comme il faut, mais quand même. Mais on vous a bien compris. Les Africains, on a qu'à merci beaucoup. Alors, on va rejoindre Patrick pour sa dernière intervention. Monsieur Ndiakan, on vous écoute. Voilà, Eva, nos chers intervenants sont très expressifs sur le sujet, à l'instar de monsieur Lanzini Soro et Mathieu Boka qui vont quasiment en opposition. Voilà, je vous donne d'abord la première réaction de Lanzini Soro qui nous dit « Je pense que le don en Afrique n'a aucunement un moyen de chercher un intérêt, mais a plutôt une valeur symbolique et une valeur historique. Et s'agissant de la dot, ce n'est qu'aujourd'hui que nous allons bannir la faisabilité de ce don, sous prétexte que la dot occidentale nous semble la meilleure, même s'il faut reconnaître que certains parents forcent un peu trop la main au gendre. Alors usons de distinction, de sagesse quand on donne ou on reçoit. » Il répond en fait à celle qui avait appelé tout à l'heure. Voici encore une autre réaction de monsieur Mathieu Boka qui nous dit « Le cadeau, c'est quelque chose qu'on donne pour tirer profit. Le don, c'est quand nous sommes aisés et qu'on aide des personnes dans le besoin, mais tout cela reste dans le but d'avoir quelque chose en retour, soit matériel ou spirituel ou moral. Le principal est que le cadeau, c'est comme un va-et-vient, comme le disent couramment les Africains. L'Africain s'attend toujours à plus en donnant, apportant le cadeau n'est nullement une obligation. Les temps changent, l'Afrique change aussi, et on oublie parfois nos cultures, nos traditions pour laisser seulement place aux traditions occidentales. C'est triste et il faut remettre les choses en place. » Très bien. Merci beaucoup, M. Ndiakan. Alors, je pense qu'on n'aura pas le temps de réagir sur ces différents points de vue, mais on va prendre le mot de fin, les différents mots de fin. M. Diop. Moi, je voulais juste parler des mains tendues des Africains, comme vous avez posé comme question. En fait, on a été conditionnés pour tendre la main. C'est vrai qu'aujourd'hui, en Afrique, on a beaucoup d'intellectuels qui sont allés dans les mêmes écoles que les autres, et aujourd'hui, on a la capacité de pouvoir, on a la capacité intellectuelle et la capacité physique de ne plus tendre la main. Parce qu'on est aujourd'hui, comme on dit, on est des États indépendants et on est responsable. On doit commencer à pouvoir être responsable et autonome. Donc, je crois que la main tendue des Africains va s'arrêter. Et on a foi à l'Afrique. Et il faut se dire qu'au niveau des dons, il faut comprendre que... Le côté matériel, en fait, c'est le monde nouveau dans lequel nous sommes. C'est-à-dire qui l'impose. Voilà, qui l'impose. Et tout tourne autour d'intérêt. Ça peut être mauvais pour l'éducation des jeunes Africains, mais ça a son côté, ça peut avoir aussi son côté positif en termes de business. Parce que si on rentre dans le monde matérialiste, dans le monde
financier. Il faut savoir qu'il y a toujours l'intérêt matériel derrière chaque acte qu'on pose. Et il faut pouvoir aussi s'adapter, mais ne pas se perdre. Très bien. Merci beaucoup, M. Diop. Alors, M. Seydino. Oui, bon, mon dernier mot, c'est le retour absolu des Africains à la tradition, aux traditions africaines, aux coutumes africaines. D'accord. Voilà. Une fois qu'on a pu réussir ce retour-là, vous allez voir qu'on va plus tendre la maquille ce soir. On pourra maintenant amorcer notre développement tranquillement. J'aime bien votre mot de fin parce que ça va amorcer en quelque sorte le thème de demain. Vous parlez de tradition africaine. Alors demain, c'est le 24 décembre, la Noël, la nuit de le réveillon de Noël. Vous nous direz, voilà justement, voilà, comment vous pensez qu'en tant qu'Africain, on devrait passer les fêtes de Noël. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, j'ai hâte d'être à demain. Okay. Alors, on a Bamba himself en notre compagnie. Il est là pour nous parler de Bonjour 2014, l'édition de l'étape d'Abidjan, on va dire ça comme ça. Bamba, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être là. Merci bien. Alors effectivement, l'événement tant attendu, l'événement véritablement en Côte d'Ivoire, c'est le 28, c'est samedi, au Palais des Sports. Bonjour 2014 Abidjan, le bonjour 2014 du cinquantenaire, c'est pour ce week-end, le samedi bien entendu. Alors il faut déjà dire que tous les humoristes, les meilleurs du moment, seront encore là pour donner du plaisir, de la joie. Et surtout, ce sera une grande convivialité qui va s'exprimer au Palais des Sports. C'est 10 000 francs l'entrée, les tickets sont en vente déjà depuis le week-end. Il faut les prendre maintenant et c'est ici même à la maison de la télévision à Cocody. Bien entendu, on peut avoir les tickets à RTI Publicité au Vallon et puis à la radio, au plateau, où on peut également prendre les tickets. C'est 10 000 francs, c'est maintenant qu'il faut prendre les tickets. Ils seront là encore pour vous donner de la joie, du plaisir. Pour entrer dans cette nouvelle année, il faut venir. C'est au Palais des Sports, tout simplement. C'est ce samedi 28 décembre. Alors, bon, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'affiche donc des humoristes qui seront présents pour cette édition? Alors, c'est une grande question, parce que la surprise cette année, vous allez voir, il y a des nouveaux. D'accord, et ça va il être, fera des découvertes. Oui, il aura et puis la balance sera équilibrée, ça il faut le dire, aussi bien les nouveaux que les anciens, qui riment d'ardeur pour venir donner du plaisir. On a essayé de faire un casting pour avoir les meilleurs, et nous avons les meilleurs du moment, qui sont les nouveaux, et puis les anciens, bien entendu, qui sont déjà connus, qui viendront encore généralement comme dans leur jardin sacré pour donner le meilleur une fois de plus. Alors, l'année dernière, on avait eu la surprise et la bonne surprise d'avoir une femme sur la scène. Est-ce qu'on aura encore des femmes ou c'est encore une surprise que nous réserve la grosse interrogation. La grosse interrogation. Comme le point d'interrogation qu'il y a juste derrière vous, Bamba. Eva, je t'assure que si tu ne fais pas le déplacement, mais je serai là. Tu auras mal fait. Ouais, je serai là, je raterai ça pour rien. Tu as bien fait. Il faut être là. Alors, Bamba, pour finir, on rappelle que c'est ce samedi 28 décembre 2013 au Palais des Sports de Trècheville à partir de 19h. L'heure n'était pas précisée, c'est 19h. On démarre à 19h. Et ils auront le temps de voir vraiment passer là les meilleurs. Très bien. On rappelle que les tickets sont en vente ici, même à la RTI, également à la DCM. Oui, à la DCM et au plateau à la radio. Très bien. Bon, on a tout dit, il n'y a pas de numéro à donner, il faut juste effectuer le déplacement. 22 41 18 01, c'est le numéro, mais il faut prendre déjà les tickets et puis après on s'informe. Nous sommes là pour vous donner les informations juste après. Merci Eva et puis nous attendons que tout le monde puisse prendre les tickets et c'est dès maintenant. 10 000 francs. Tarif unique. Merci encore, Bamba. Merci à nos différents invités, nos consultants, donc Monsieur Diop et Monsieur Seydina, sans oublier Patrick qui était présent. Merci à vous, téléspectateurs, qui avez participé en appelant. Demain, on sera également en votre compagnie à partir de 13h15. Je rappelle que cette émission a été réalisée par Fatou Koulibaly. Je vous souhaite une très bonne journée sur les antennes de RTI2. Ne décrochez surtout pas, nos programmes continuent. Persévérer, ne jamais